Puis je me souviens que pendant l'audition avec Sandrine, j'ai pas fait venir beaucoup de gens pour faire ma mère. J'ai fait venir peut-être 4 ou 5 comédiennes, pas plus. Et Sandrine m'avait été référée par Catherine Didelot. Puis je me souviens que Sandrine, au début, était un peu trop dans le piton. Puis j'avais jasé avec elle un petit peu, puis elle était comme « oui, je vais… » Mais c'est surtout quand j'ai montré le tape à ma sœur que moi, c'est devenu clair. Parce que ma sœur, elle dit « Hey, man, c'est notre mère. » Je dis « Mon Dieu, t'es-tu sérieuse? » Non, ça a été son avis, moi, qui a fait que j'ai fait « OK, si ma sœur est convaincue, puis tu sais, je veux dire, c'était important, son avis pour moi, plus que n'importe qui d'autre, qui avait comme des opinions d'acteurs. Je dis « Ouais, il me semble que ceci, me semble… » Ma sœur a vu ma mère. Je fais « OK, que l'actrice plaise ou pas à partir de maintenant à qui que ce soit, si j'ai la confirmation que c'est le portrait craché de ma mère, puis l'énergie, surtout, je fais « Ben là, moi, je fonce avec ça. Tu sais, là, je vais la défendre jusqu'à temps qu'on la retire du film. »